Petite question, si c'est possible, dans les voice lines, Viego en a une quand il croise Yorick par rapport à Isolde. Je me demandais pourquoi. C'est parce que Yorick et Viego se sont croisés au moment où Viego il est venu sur Elia. C'est raconté dans le livre Ruination. Yorick, qui faisait partie des frères du crépuscule. Et il a toujours eu cette capacité à parler avec les esprits. Et il a réussi à communiquer avec l'esprit d'Isolde. Quand Viego est arrivé sur les îles Bénies, il a dit à Viego, son esprit se repose en paix. Et elle me pose une question à propos de Gwen. Et à ce moment-là, Viego a compris que Yorick parlait vraiment avec l'esprit d'Isolde et qu'elle était bel et bien morte. Parce que jusque-là, il refusait catégoriquement dans sa tête d'accepter que Isolde était morte. Il avait son cadavre dans les bras et était encore là. Mais non, elle va très bien, elle est juste en train de faire dodo. Mais le fait que Yorick lui parle de Gwen, sans en avoir jamais entendu parler, ça montrait bien qu'il était en communication avec son esprit. Et il a enfin accepté qu'elle était morte. Et il était sur le point de repartir à sa maison et de vivre le reste de sa vie, quand il y a Tresh qui est arrivé et qui dit « Hé, si tu veux, moi je connais quand même un moyen de la ramener à la vie. » Ça l'a poussé à attaquer les îles bénies à la recherche des eaux bénies. Parce que Tresh est un bâtard. Un fun fact à propos de Briar, qui a pas beaucoup de lore vu qu'elle a que sa biographie, mais il y a quand même des informations intéressantes dedans. C'est une expérience ratée, mais elle a quand même été utilisée pendant le coup d'état de Swain. Swain, après avoir récupéré le démon des secrets et tout ça, il a renversé et tué Boram Darkwill, qui était l'empereur tyrannique de Noxus depuis des lustres, et il a pris sa place. Mais pendant son coup d'état, Briar a été utilisé par la Rose Noire pour tenter d'empêcher Swain de réussir, en fait. Donc la Rose Noire, ils ont réalisé qu'elle était complètement folle et qu'elle essayait tout bouffer à proximité. Du coup, ils avaient fabriqué ce truc qu'elle a autour des mains et du coup, le pilori. Et ils se sont dit, ça va suffire pour la contrôler et attaquer Swain avec. Mais ça n'a pas marché. Et en fait, Briar, elle s'est retrouvée à bouffer le mec qui la retenait et bouffer tous ses ennemis et tous ses alliés. Tout le monde, sauf Swain, qui a réussi à s'échapper. Et au final, les gens qui suivaient Swain dans son coup d'état, ils ont réussi à capturer Briar et la re-enfermer. Et double fun fact, pendant son développement, pendant le développement du champion Briar, ils ont voulu tenter de faire en sorte que quand elle est sous frénésie, elle peut attaquer ses alliés. Voilà, un petit peu comme si elle s'auto-ulte Renata, en fait, et qu'elle peut se mettre à taper ses propres alliés. Comme dans son lore, en fait, où elle bouffe les personnes qui sont censées la contrôler, qu'elle bouffe les gens de la Rose Noire. Mais ils ont très 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 rapidement lâché l'idée parce que c'était visiblement très très con. Je pensais que Xin était un soldat de Demacia, alors je comprends pas pourquoi quand on le pique, il dit Into the Arena. C'est en lien avec son lore. Xin, il a trois origines. Il est né à Ionia. Il a été embarqué par des pirates noxiens à Noxus pour se battre dans les arènes. En gros, il a été vendu comme esclave, quoi. Et il a servi dans les arènes de Noxus. Genre, Xin, c'était un gladiateur, quoi. Et après, Boram Darkwill a utilisé les soldats, les gladiateurs, comme chair à canon dans son expansion de territoire. Xin s'est retrouvé à se battre contre l'armée démacienne. Ils ont perdu, et Xin a vu comment les soldats démaciens étaient bien traités, parce que Jarvan III, une fois qu'ils avaient gagné la bataille contre les Noxiens, a libéré les Noxiens qu'ils avaient fait prisonniers, à la place de les abattre comme auraient fait les Noxiens. Et il a demandé à faire partie de l'armée démacienne. Et il a été pris, et il est devenu le sénéchal de Demacia. C'est pour ça que sur le Loldl, par exemple, il est marqué comme Ionia, Noxus et Demacia. Et donc la référence, Into the Arena, c'est en référence au fait qu'il était soldat d'arène. Voilà. Le Léviathan, c'est le vaisseau amiral de Swain, celui avec lequel il commande ses flottes dans son armée. Et il est dit dans la biographie de Gangplank qu'il aurait volé ce bateau. Gangplank est un ennemi personnel du coup de Swain du fait de lui avoir volé ce bateau. Et dans Legends of Runeterra, on peut retrouver une carte qui est ce Léviathan et on voit à quoi il ressemble. Et il ressemble vraiment beaucoup au bateau dans Avatar, le dernier maître de l'air. Les gros bateaux en métal là. Le Léviathan, il ressemble à ça dans Legends of Runeterra. Donc là, vous voyez, il y a des gens, ils sont tout petits, et ça, c'est le Big Fat Bateau. Par contre, il n'est pas dit que ce Léviathan soit celui que Gangplank a volé à Swain. Je ne pense pas personnellement, parce que je vois pas trop comment Gangplank il aurait pu genre prendre le contrôle de ce navire, parce que le navire de Gangplank il est quand même beaucoup plus petit que ça. À moins qu'il y soit allé avec toute une flotte ou qu'il se soit infiltré dans Noxus pour pouvoir le voler, je sais pas. Moi ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre bateau amiral qui s'appelait le Léviathan, et que Gangplank avait volé celui-là dans le passé. Et que Swain en a fait construire un nouveau, celui-là. Ça, c'est mon avis personnel, mais c'est pas dit explicitement dans le lore. Mais alors, quand vous regardez ce machin, si c'est un bateau vraiment
canon, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose de très, 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 très fat. Et on le voit dans un autre artwork. Là, ici, on peut voir plein de ces types de bateaux là qui sont en train de venir. Donc ça, c'est potentiellement le Léviathan là, puisqu'il est plus gros que les autres. Et là, il y a des pauvres fermiers, les Ioniens, qui attendent l'arrivée de toute cette flotte. Salut Bulle, j'ai une question sur le lore de Piltover. Quand on apparaît avec Caitlin, elle dit qu'elle est en train de rechercher C, et Swain aborde le sujet avec Camille aussi, je voulais savoir de qui il était question. C'est ça le mystère du lore de Caitlin. La biographie actuelle qui existe sur le site LOL Universe, etc. Les parents de Caitlin avaient été kidnappés et torturés par des sous-fifres de C. Et on sait pas qui c'est. Il y a une baronne de la chimie dans Legends of Runeterra dont le nom commence avec un C, ça pourrait être elle. Mais de toute façon, vu que Arcane s'est devenu canon, le lore de Caitlin va probablement être changé. Parce qu'en gros, là, son lore, c'est qu'elle recherche cette personne qui a torturé ses parents pour avoir des réponses, etc., etc. Mais son lore, c'est devenu le lore d'Arcane. Donc ils vont probablement effacer cette partie-là et le remplacer par autre chose, ou alors intégrer un personnage dans Arcane qui sera cette personne de la biographie de Caitlin. C'est un petit peu compliqué pour Riot au niveau de... Toutes les biographies des champions de Piltover sont à revoir, et il y a énormément d'autres lores à travers le monde de Runeterra qui sont à revoir, parce que, ben, genre, dans Arcane, la magie, c'est un truc extraordinaire. Il n'y a pas de mages, genre c'est extrêmement rare, alors que dans Runeterra, en fait, les mages sont partout. Genre vraiment partout. Zoé, à la base, quand elle était humaine, elle faisait partie d'une tribu Rakor. La tribu Rakor, c'est les habitants autour de Targon. Aujourd'hui, c'est essentiellement les Solari qui font partie de la tribu Rakor. Atreus faisait partie de la tribu Rakor. Mais à son époque, à elle, ce n'était pas des Solari, c'était des Lunari. Les Solari et les Lunari, en fait, il y a un truc, ça s'équilibre avec le temps. Genre, un coup, c'est les Solari qui sont au pouvoir, un coup, c'est les Lunari qui sont au pouvoir. Et ça fait une espèce d'effet de balancier. Donc là, actuellement, c'est vraiment les Solari qui sont au pouvoir. Et à une époque, bah, c'était certainement les Lunari qui étaient au pouvoir. Quand on regarde son splash art, elle a ces petits joyaux là, ça, ces trucs autour de ses poignets, mais surtout celui-là, ça ressemble au symbole Lunari, ça. C'est un petit peu chercher loin, parce que c'est pas écrit noir sur blanc dans son lore qu'elle fait partie du Lunari, mais en tout cas, c'est écrit sur le wiki. Et ça ferait sens. Étant la manifestation du crépuscule, lune, lunari, ça ferait sens. S'il était la manifestation de l'aube, ce serait probablement une solari. La magie qu'utilise Syndra, c'est une magie spirituelle qui se base sur les émotions, et surtout les émotions négatives de Syndra. Vu qu'elle est d'Ionia, ça fait un petit peu sens que ce soit une magie spirituelle. Quasiment toutes les magies d'Ionia sont basées sur le monde spirituel. Et en fait, c'est une manifestation des émotions négatives de Syndra qui devient une espèce de condensé de négativité qui blesse en fait les gens. Elle a également une espèce de télékinésie. C'est pour ça qu'elle a réussi à soulever le temple où elle avait été envoyée. Et c'est probablement dû à ce lien avec le royaume spirituel que l'esprit d'Ionia a pu prendre le contrôle sur Syndra d'ailleurs, parce qu'en fait, Syndra, elle est tellement puissante qu'elle représente un danger pour Ionia. Il y a l'esprit d'Ionia, que je considère une espèce de divinité de ce territoire-là, qui a attrapé Syndra avec ses racines et qui l'a enfermé dans un temple souterrain pendant des siècles. L'esprit d'Ionia, c'est maintenant, c'est ce qui habite les corps des différentes karmas d'Ionia. C'est une entité à part entière, en fait. Il y a karma d'un côté, il y a l'esprit d'Ionia de l'autre, et c'est un petit peu compliqué, mais en gros, ouais, c'est l'esprit d'Ionia qui a enfermé Syndra pendant des siècles. Atreus peut battre des manifestations. Non. Oui et non. Oui et non. En fait, on le voit qu'il se bat contre Leona. Leona, c'est une manifestation. Ça dépend de ce que veut faire Riot, pour une fois, c'est toujours, ça revient. La question de qui peut battre qui, c'est Riot qui décide. C'est Riot qui aura toujours le dernier mot. Et en fait, Atreus a en lui encore du résidu céleste de quand il y avait la manifestation de la guerre qui était en lui. Il a encore de la capacité de faire des bonds dans le ciel, comme on voit dans la cinématique de l'appel. Il a clairement des pouvoirs célestes sensiblement très puissants. Donc, dépendant de la manifestation que c'est, j'imagine qu'il pourrait le battre. Ouais. Il s'en sort très bien contre Leona, mais Leona a pas l'air d'avoir totalement envie de le buter, je crois.
je pense. Mais après, il y a d'autres manifestations qui sont bien plus fortes. Par exemple, Zoé, il n'y a personne qui peut battre Zoé. Et elle est trop forte. Les résidus célestes, il doit les activer avec sa volonté. C'est pas expliqué comment fonctionnent les pouvoirs de Panthéon. Après les événements de la ruine, il était traumatisé parce que Viego a ranimé la manifestation de la guerre, Panthéon, à l'intérieur du corps d'Atreus. Donc il a reperdu le contrôle de son corps. Et ça l'a traumatisé de fou. Il avait plus envie de se battre. Il a dit non, c'est bon, j'arrête. Genre, il disait qu'il avait plus aucun contrôle sur ses pouvoirs, qu'il avait tout perdu. Mais c'est après ça qu'il est allé se battre contre Lyonna. Et on voit dans son combat contre Lyonna, quand il est en train de se battre, il n'a plus de pouvoir. Enfin, il n'utilise pas de pouvoir spécialement magique. Mais une fois qu'il s'est fait frapper par la comète, qu'il envoie au sol, là, il a retrouvé des pouvoirs. Donc peut-être que justement, cette comète, c'était une façon de rendre des pouvoirs à Atreus. Peut-être même que c'est la manifestation de la guerre qui a réussi à revenir dans le royaume céleste, et qu'il est passé des pouvoirs, en fait, à Atreus, en fait, avec cette comète. C'est peut-être ça, on ne sait pas ce que c'est, en fait, la comète qui apparaît dans la cinématique La Peine. Pour faire un speedrun en fait des événements de la guerre des trois sœurs, Lysandra a défié Volibear. Volibear l'a griffé et lui a crevé les yeux. Ensuite, Lysandra elle est devenue une marcheuse des rêves où elle est rentrée en contact avec les veilleurs. Les veilleurs l'ont persuadée de les laisser rentrer dans le monde matériel de Runeterra, ce qu'elle a fait. Au moment où il y a le néant qui est arrivé à Runeterra, elle a remarqué ses erreurs et elle s'est alliée à nouveau avec ses deux sœurs, Serilda et Avarossa, pour faire face au néant. Ensuite, petit spoiler sur son homme nu, elle a utilisé la magie des Yétis, de la glace pure, elle a absorbé leur magie pour pouvoir congeler les néantins qui étaient en train de venir dans le monde matériel. D'ailleurs, cette glace pure, elle avait été donnée au Yeti par Anivia. Par la même occasion, elle a congelé Gnar, qui est sorti de la glace 9000 ans plus tard. Quelque part au milieu de tout ça, les trois sœurs ont demandé à Horn de construire un pont pour empêcher les veilleurs de rentrer dans notre monde. Voilà, grosso modo, énorme speedrun de tout ce qui s'est passé. Et encore, j'oublie beaucoup de trucs, mais il s'est passé beaucoup de trucs pendant ces événements-là. Qui sont les Otrani? Alors les Otrani, c'est des types de Vastaya de Targon, mi-humain, mi-chèvre. Cette cinématique-là, ça c'est une Otrani. Elle a des cornes de bélier, c'est une Vastaya. Et dans cette cinématique, elle retrouve une de ces petites bêtes-là, tombe du mont Targon et qui s'est blessée et qui n'arrive plus à voler. Elle l'aide en traversant les différentes régions de mont Targon. À retourner chez elle, le porte parce qu'il est blessé, croise Léona et Diana qui sont en train de se battre, elle arrive à s'échapper de peu, continue de grimper la montagne, passe un pont gelé qui craque, se casse la gueule, elle croise des dragons, elle est sur le point de chuter, et là ça y est, le petit Bitonio, que je me rappelle plus comment ça s'appelle, arrive à regagner ses pouvoirs, et la transporter pour pas qu'elle meure. Elle la ramène à cet endroit-là. Et après, elle regarde le... Donc là, il y a le dragon bicéphale, et elle voit tout en haut, le juge, et tout en haut, on retrouve Aurélion Sol. Et il y en a d'autres, des Otrani, une vieille Otrani qui s'occupe de dragons, et qui s'occupe de ces petites chèvres-là aussi. Une sous-espèce Vastaya, en fait. Une des tribus Vastaya, simplement. Il y a plein de noms de Vastaya. Voilà. Là, il y a les différents types de Vastaya. Il y a les Strig, qui sont des reptiliens / papillons. Conlui, qui sont des ours rhinocéros. Les Otrani, Kilash, comme Rengar. Ophélis, Lotlan. Les Lotlan, c'est ceux de Xayah Rakan. Les Chimon, qui sont les singes. Les Marai, c'est ceux de Nami. Reilu et Makara. Makara, je pense que c'est les Vastaya requins. Et les Reilu, je sais plus. Là, il y a les Shapeshifters, donc ça, c'est Nico. Donc, c'est un autre nom pour les Uvikat. Et en fait, ça, c'est un dessin qu'on retrouve dans les notes d'un explorateur de Piltover. Il fait des études sur les Vastaya et il a noté tout ça. Donc, il a réussi à récolter quelques informations, mais il lui manque des informations. C'est pour ça que, genre là, par exemple, il y a une point d'interrogation. On ne sait pas quel est le lien qui arrive à Harry, et elle a marqué Harry à la place de marquer les Vessani, parce que Harry, elle fait partie de la tribu des Vessani. Voilà pour l'information. Pour une fois, c'est le modo de Bubule qui fait la fun fact, et ça va même partir sur TikTok, attention. Hein. Attends, faut que je réfléchisse. Ouais, peut-être un sur Mundo. Un fun fact sur Mundo ? Vas-y, raconte ton fun fact sur Mundo. Bah, Mundo, il connaît pas son vrai prénom. En fait, oui. Il pense qu'il s'appelle Mundo, parce que en lisant sur sa camisole, bah, en regardant, il y a écrit Mundo de son point de vue, sauf qu'il s'appelle pas Mundo. Mundo. Oui.
Voilà. Il s'est pas trompé. C'est un petit fun fact. Hein. Mais tu veux me stresser aussi, donnez-moi un champion. Faut que je choisisse et tout. Ah, tu veux que j'en choisisse un? Garen. Vu que tu joues Garen, voilà. Je peux faire un fun fact sur un skin de Garen? Tu peux faire un fun fact sur un skin de Garen, oui, tout à fait. Sur le skin commando Garen, dans le lore du skin, il y a un truc un peu drôle. C'est que c'est écrit que dans l'unité des commandos dont il fait partie avec Jarvan et Lux, il tourne tellement vite qu'il peut utiliser son épée pour voler tel un hélicoptère. Je ne savais pas. Voilà. Tu m'as appris un truc. Je n'ai pas encore lu le skin, le lore de tous les skins du jeu, en effet. Waouh. Oh putain, il est tellement moche en plus ce skin, c'est incroyable. Trop bien.